c'est moi qui vous parler. Et c'est moi tout qui vous dit ça me senti et qui ça me comprend. Parce qu'un peu nous parlait déjà de dossier, nous devons prendre un angle inédit que personne ne va soulever. Scoop! Haïti débat. On va éviter tout le monde dans le balai. N'importe quoi, journaliste, confrère, etc. Réfléchis avec tant de pouvoir, ça me va le dire. Gary Bébrochal, n'est qui sont ta foufée là, qui passait toute étape qui arrivait là, qui était fait Télémax, Signal, et puis il y a un scoop. Oh, mais mon titan dans la galaxie. Haïti débat, Haïti débat. Je viens là aujourd'hui pour me dire que confrère qui n'a pas nique là, Némi est assassiné. Monsieur Mouri. Et audio, conversation que je me suis avec là, audio a parti, diffusé en même temps que l'assassinat. Mourir et audio diffusé en même temps que l'assassinat. Mais c'est pas l'ennemi diffusé ça et audio, c'est l'autre monde qui diffuse. On devrait pour nous comprendre ça. Haïti débat. Haïti débat. Deuxième aspect extrêmement important. C'est pas une émission que m'te gagné avec lui, m'te parler avec là. M'te faire échange son téléphone avec il enregistre l'aime comprendre que c'est enregistré la police moi dit attendez nous mettre enregistré ça m'a dit là parce que c'est lui qui a enregistré pour nous pas comprendre c'est notre émission de avec moi dit où mettre enregistré et me dit toute phrase honnête pour nous comprendre m'a fait face à vous et mettez garçon sous mettez graine dans mon dos n'a fait face à face même si ou qu'a déplacé moi après pour dire mettre graine dans monde qui normalement ou capable d'interpréter jongler mais tout n'est que journaliste l'aime dit face à face me dit face à face dans radio puisque m'aller de panique et mandel prend autorisation dans mes directeurs pour me faire face à face là tout ça net c'est face à face n'a parlé ou même ou qu'a interpréter n'importe qui gens parce que m'gal montrer nous qui sacrifié ne bagaille ça. Donc, appel la fête, monsieur enregistré. Donc, audio a allé rapidement. Le monde entier qui est au courant. Et puis, moi, il y a des gens qui sont relais dans la station pour faire commentaire sur audio. Ça veut dire origine audio à même à expliquer ça que je parce que moi qui était en parler de ça. Oh. Et qu'on a dit qu'est-ce monsieur pour qui ça une diffusé audio. Et même ne pas répondre. Je dis premièrement c'est pour montrer que GPPC est complice. C'est objectif là ça. Deuxièmement, gros l'autre objectif tout pour brouiller la piste. Pour pas ouais qui est-ce qui tue l'ennemi puisqu'il ne s'agit pas de Gary Bébrochal sur échange et discussion donc nous qui fait là c'est pour brouiller piste là pour dire attention c'est pas l'autre monde c'est Gary brouiller les pistes. Troisième aspect qui gagne dans diffusion audio c'est exprimer haine par rapport à GPPC qui peut-être fait ombrage à certains monde dans le département ou à certains monde qui n'est politique dans Port-au-Prince. Haïti débat, Haïti débat. Je vais continuer. Mais tout cas de figure, ça, il y a des éléments qui sont importants. Si je battrais les ennemis, je ne sais pas qui ça que tu as passé. Mais c'est n'importe qui monde qui tirait les ennemis, il t'a dit c'est lui-même. N'importe qui monde. Mais
Gon bagay qui passait dans même période là dans pays d'Haïti, gagne une radio, une station. Station ça. Te dit Jovenel Moïse Kay Chose Patrick Roni Edouard. Maintenant qu'on y a Patrick obligé de vous dire c'est pas vrai. Et directeur obligé de parler dans la radio pour dire parler avec l'autre monde, mais secteur privé, c'est pas vrai. C'est le même cas de ça tout, on dit je viens de la caille, même pas de monde pour quitter les. Pour te dire c'est pas vrai, puisque c'est moi qui va le défendre tête pas pour contre moi. Parce que niveau professionnel qui est dans l'autre radio, maître radio est obligé de te parler pour dire ça. Et puis qui fait mon parler, maintenant pas non lui-même, personne pas dit pas de la caille. Donc c'est moi qui est obligé de les. Pour me défendre tête, pour me dire c'est pas vrai. Donc, échange là, c'est à la base de tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai tout matraqué ça. Mais, je vais réfléchir. Après échange ça, qui te gagne environ une semaine et demie ou deux dans le téléphone avec le courageux reporter journaliste Némi Joseph, monsieur, après, c'est bien, vous voulez tout net comprendre. Et net journaliste cap gade, cap tende pour comprendre. Et moun sou réseau tout, parce que réseau a son bon affaire. Réseau a pas d'analyse avant lui-même, la guerre. Et certains moun évidemment analysé. Le, yon fin la guerre audio, m'a réfléchi, m'a dit, qu'est-ce qui passe là? M'a dit, échange avec un journaliste, et puis moi, accusé dans le monde, mais il y a un problème. Ce n'est pas le journaliste là qui l'a gagné audio, non. Parce que il a fait une tuelle sous l'autre monde qui l'a gagné. Cependant, ce journaliste là dit, ah, personne ne dit rien sur lui. Il y a deux bagailles qui passaient après échange. Monsieur posté sur Facebook. Il dit, mais qui est-ce qui a assassiné? Ceci. Pas fait gros débat, pas fait gros objet, et pas moun qui l'a gagné audio, il pas fait gros débat. Deuxièmement, Némi fait une émission le samedi, selon ça tout le monde dit, monsieur pas jamais fait référence à échange qu'il a gagné avec Gary Bebochala. Donc, et vous comprenez ce qui passe là. Némi pas assez grand monde pour l'être posté, pour l'être tout mettre comme moun qui a fait menace. Il n'y a pas assez grand monde pour une deuxième émission la fin de samedi pour dire attention, GPPC, tout le temps, monsieur comme ça le dégonner l'aime. GPPC, ah, comme si GPPC fait menace, ah, monsieur, pas mettre ça du tout. Et puis son équivoque audio échange dans, et puis c'est ça qui permet de pointer du doigt. On dit, ah, bon problème. Némi grand monde, il compte faire critique, et monsieur Papé, pépap. Et une conversation que m'a gagné ensemble avec elle. Avec Junior Panique, monsieur dit qu'il n'y a pas de problème avant. Je n'ai pas de parce que je n'ai pas noté ça. Donc, je voulais nous comprendre. Sur Facebook, après audio, après échange, monsieur pas dit rien. Hein? Et deuxièmement, il fait émission, pas en parler de Gary Bebochal. Donc, son mauvaise nouvelle, c'est sans t'arrêter son léchage politique. Ah, monsieur, nous connaissons qu'on analyse. Nous mettons un petit crédit ça. Léchage politique. Donc, je ne vais pas parler de relation avec Némi, puisqu'en fait, il n'est pas là. S'il était là, je vais parler de relation avec lui, je vais parler de lui. Mais, je voulais expliquer, mon, qui ça probablement qu'à la base de l'échange politique, ça, ce n'est pas la conversation ou l'échange que j'ai eu avec Némi. Au téléphone. 107.7 FM stéréo. Et je vous dis en vérité que nous sommes scoop. Scoop. Je vais expliquer. L'échange politique là. 107.7 FM stéréo. Match. ASM. ASM bagay quoi? Marathon à fête. On appelle GPPC. À 10h30 du soir, 11h du soir, je laisse la maison à mes balais, je descends, j'arrive en studio et je soutiens le match en termes financiers. Gary Bebochala.
pas une seule fois, plusieurs fois. Cérémonie, remise clébus, Gary Pierre-Paul organise une fête extraordinaire pour les deux équipes, l'équipe de Hesch et l'équipe de Mirbalet, la KMW, la résidence privée, sans l'appui financier de sénateurs et d'aucun monde dans Mirbalet. Dépenser comme moi pour recevoir toutes les équipes, ça veut dire c'est quelqu'un qui fait du bien et qui aime les gens de Mirbalet. Deuxième. Troisième balle. En décembre dernier, pour qu'on ait un gros mouvement, ça, qu'on ait un an et demi de ça, décembre, j'ai remarqué que la propreté qu'a faite dans la ville, j'ai remarqué que la lumière a blumé dans la ville. J'ai dit que c'est une très bonne initiative. Mais c'est rentrer en contact avec des jeunes de la rue Geffrard. Je pense que c'est besoin de cadeaux. J'ai été voir les deux directeurs de deux radios, Bobout et Junior, le responsable PDG de Panique FM. La radio côté Néhémie, top travail. Scoop, scoop. Je fais retour de monter nos machines. Je me dis, monsieur, descendre dans la ville là, il faut faire la propreté de la ville. Il faut nous faire un genre pour nettoyer la ville là. Et il dit, oui, il dit, monsieur, il dit ça la femme, il dit, non, mais nous faisons sport. Nous faisons concours pour opter pour tout quartier. Nous avons le premier prix à 50 000 gouttes, le deuxième prix à 25 000 gouttes, le troisième prix à 15 000 gouttes. Nous avons dit, ok, mais vous le. Et après, dans la soirée, les gros LM, ou peut-être demain matin, on dit, non, mon cher, ne va pas faire ça encore. Parce qu'il y avait une émission à la radio pour dire que côté monsieur joigne 50 000 gouttes, 25 000 gouttes, 15 000 gouttes, que le peuple distribue dans les quartiers. Je vous demande, auditeur, d'écouter. Il faut comprendre ça, m'a dit non. Pour voir le lynchage politique. Et puis, les gars, ils disent, pas parce que c'est maintenant, propreté a fait quand même par des moyens détournés. Et moi, j'ai fait la chasse est ouverte. Pour mon jeune cop dans tout quartier pour participer quand même comme monde qui voulait aider Mirbalet. Et il y a une organisation qui est le MAT. Mirbalet avant tout. Haïti débat. Mirbalet avant tout, c'est tout les diaspora, femme et garçon de diaspora qui mettent ensemble, qui font le vrai dans l'objectif pour venir nettoyer Mirbalet et faire développer dans Mirbalet. Et on était madame, puisque nous sommes citoyens qui avons voulu aller. J'ai aidé, j'ai participé dans l'initiative ça. Et j'ai essayé de passer dans l'initiative ça, que nous n'avons pas besoin d'évoquer. Mais c'est pour nous montrer qui j'ai moi-même, dans toute activité qui a fait en David Le Valais. Et il n'y a aucun monde dans le département qui organise, j'ai bien dit, c'est pas Mirbalet, non, dans le département du centre, qui organise autant d'événements culturels gratuits que Gary Pierre-Paul. Pas jamais fait comme fait pour mon pays. Et dans la plupart des cas, tout le monde Mirbalet qui est venu déplacer, venu dans la fête qu'a Gary Pierre-Paul à la résidence de l'empereur. Évidemment, tout le monde va venir. Mais la majorité de monde venu. Et cette année, pour marquer, pour honorer Matt qui prend l'initiative là, m'organiser une fête seulement pour les gens de Mirbalet. Seulement pour les gens de Mirbalet. Et c'est environ 600 monde Mirbalet qui viennent. La Kala vient fêter. Faites ça comme tu as fêté pour Matt et pour le monde Mirbalet. Donc, jouissant de cette notoriété, de cet amour sans faille des Mirbalaisiens, et puisque moi suis en notoriété depuis dans Port-au-Prince, et bien Mirbalet Boumine, moi partage la notoriété avec vous. Soyons sérieux au moins. Soyons sérieux. Qui c'est la motivation au monde pour accuser le GPPC
nos actions lâches et crapulées comme ça. Si ce n'est pas un mobile politique, une charge politique. Haïti débat. Pays ça, c'est pays de Charles-Marie Péral et de Benoît Mandarin. Femme dit nous, honnêtement, quoi que me dérange. Déranger dans le débat. Déranger tout le monde qui n'a pas jamais fait rien comme bien. Déranger parce que nous ne pouvons pas recevoir Timoun la caillou. En décembre, nous recevons 300 Timoun pour jouer et bailler au cadeau. Wana était là, n'a pas au cadeau. Je dérange. Et c'est pour ça qu'il y a réussi l'échange politique. Parce que je dérange. Et il n'est pas qu'on est n'importe où, prince. Si on recevait 12 000, 13 000, 14 000, 20 000 monde devant ce groupe, c'est dans ma nature d'évoluer, de faire du bien et de faire des actions sociales. Politique là, il dérange. Même Dio. C'est Grégory Chevrier pour candidat dans le département. Pour être cas, pas attaquer. Nous disons, c'est des collines pour quitter sénateur dans le département. Et dans la ville, là, sénateur, comme si sénateur, moi j'étais en ville là. Nous disons ça. Nous disons, c'est Mamousse qui est député dans la ville là, c'est pas Gary. Nous disons, Gary, pape magistrat, c'est l'arrêt qui est droit magistrat. Nous disons, mais ce département, c'est de là que le doyen, c'est pas Gary, bien pour Charles que le doyen. Moi, pape candidat pour le département. Scoop. Nous pas besoin de faire ça, moi dis que nous pas candidat pour le département. Dio, c'est Maxo qui est pour candidat. C'est Woni, Willow, Gélin. C'est eux pour candidat. Scoop. Kayetan. C'est eux pour candidat parce que moi-même, je ne suis pas candidat. C'est moi qui viens. Qui j'aime d'avoir le candidat? Les ennemis de Néhémi sont devenus mes ennemis. Vous devriez nous comprendre ça. Haïti débat. Ils sont passés par Néhémie pour m'atteindre. Parce que diffusion audio, un cri qui fait autour de ça. Même si c'était mon reproché, ma tort, ou à raison, comme t'es content. Peut-être très fort, très haut, mais l'essentiel, c'est que ça me tape d'IA, parce qu'on était menacé, tout le monde voit ça. Ils sont passés, je reprends, par Néhémie pour m'atteindre. Donc, je suis dans leur viseur. Ça veut dire, je dois jouer la carte de la prudence et me protéger. Parce que je n'ai pas confiné avec moi, puisque ça n'a pas capacité. Parce que tout le monde est. Ils ont assassiné physiquement, moralement, politiquement et socialement. Il attaqué, il assassiné, mais on fait ça. Il assassiné Gaïs physiquement, ça veut dire pour m'atteindre, pour ne pas qu'à évoluer, pour ne pas qu'à continuer le travail. Moralement, pour chaque temps, je regarde au monde, pour avoir une figure ou assassin. Politiquement, ça veut dire, ah, fais attention, hein, on ne peut pas parler avec Néguio Gonçano, parce qu'on a un crime judo. Et si je suis assassin, je suis pratiquement au monde qui n'est pas qu'à fréquentable. Donc, mets tout ça caché derrière ça qui fait là de matraquage politique ça. Son menace pour l'avenir, pas. Son menace pour tout le monde qui a vu. Et souillé. Vous voulez détruire toute bataille que je fais pendant plus de 30 ans. Mais vous n'êtes pas capable. Faut message, je dis tenez non. Là, on fait ça, on dit tenez tirer à son posé. Tranquille. Ou trop chaud devant maintenant un débattement. Ou trop chaud tout dans le pays. Puisque dans plusieurs émissions, Nègre dit tenez non. Et il faut y remettre le pouvoir à GBBC. C'était un commentaire d'un confrère, d'un ami ici. Ah non. Vous pas attendre le bien. Vous ne voulez pas comprendre ça bien. Et vous vexez. Là, je vous vexez tout le temps. Vous vexez tout le temps.
Et aujourd'hui, c'est la pensée unique. Je salue. What's son désir? Hein, salut, monsieur. Aujourd'hui, c'est le règne de la pensée unique. Sont pas dit, ça nous tout a dit, hein, ou sont ennemis. Voilà pourquoi qu'on veut m'abattre. Parce que ne pas permettre nos capacités pour m'analyser, pour me dire un bagaille, qui n'est pas forcément contraire, mais qui est équilibré. Mais c'est radio comme ça. Et c'est moi qui vais emprunter dans la radio comme ça. Je mourrai. Les armes à la main. Le micro, quand je dis les armes, le micro à la main. Parce que ça me vient. Et mon pape qui t'est nègre, fait me changer comportement. Je m'y aille comme ça, toujours. Ma équilibre, ma bête, tout le monde va aller. Il n'y a pas de hasard. Nègre, il fait avec une telle rapidité. C'est parce que quand on se coupe préparé, il assassine l'ennemi et on diffuse ça rapidement. Donc, focus ça pas sur une autre question qu'on a eu. Mais pourtant, les assassins sont dans la ville, c'est pas à moi de les dénoncer. Vous avez peut-être remarqué que dans mes explications, j'ai jamais cité les noms des personnes que Néhémie lui-même avait cité parce que je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc, et nous avons un problème dans la ville là, nous avons un problème dans le pays. Ah bon? Je ne savais pas que j'étais aussi important. Mais tout au moins, ça me connaît. C'est que mon plateau central, tout ça m'a organisé. Toujours chargé d'autorité. Pas jamais de monde qui fait ça dans le plateau central. Scoop! Haïti débat. Le personnel qui est important, c'est qui est sur Eroni, Willow, et puis Onfoutielin, Décolline, et l'autre député, Garda, etc. L'autre monde là. Je pas jamais qu'à faire ça, me faire. C'est-à-dire, 90 députés, 15 sénateurs, 10 ministres, 15 directeurs généraux, 8 nègres qui sont à l'étranger, scoop, membre de la communauté internationale, une vingtaine d'hommes d'affaires, Haïti débat, et les paysans de Méomalais, Haïti débat, et les Mirbalésiens, réunis tout le temps au palais de la Poula Carmen. Donc, les amis, on peut faire un cadeau ça. Haïti. Il faut abattre Gary Bébrochal. Mais pourtant, et pour mon Mibale, ma fille. Va bénéficier de ça. Parce que les gens disaient toujours, ah, faut mal cagarer, faut mal m'éballer. Où est ce bon côté ça? Donc, nous venons. On imagine, et que ce, ça m'a dit, hein, m'a qu'approuvé. Il y a même du secteur privé qui vient là quand même. Et qui dit, car attendez, je besoin de la magistrature parce que je besoin d'un gros business dans la ville de Mbale. Le chat a parlé de ça. Parce que c'est le chat pour bailler terrain et c'est le chat pour monter terrain dans la ville là. Ah, il y a un bel bagaille. Magasin, 23 personnes dans le travail, ça sont camarades. Oui. Et moun, qui est comme pour monter la caméra pour regarder pour la possibilité d'investissement, le bois. Oh, mais qui a fait pouvoir nègre dans mes balais? On m'a besoin de battre contre, monsieur. Pas fatigué, non. DCPJ a mené enquête là. Et puis tout va fini. Parce que moi-même, nous avons un avocat. Samuel m'a distinct. Avocat. Je vais défendre tête là, pour ça me défendre tête là. Mais je compte qui intérêt mieux mon ça. Et m'a fini pour un professeur que JJJ te dit son intellectuel, monsieur, et me respecter point de vue, monsieur. Professeur Garrison, JJJ Garrison, là où tu as fait commentaire et analyse. Et moi, je vais répondre comme ça. Dans la montagne ensorcelée de Jacques Roumain, Jacques Roumain t'a montré, comme dans le livre ça, dans le roman ça, comment la jalousie, la haine, l'hypocrisie et le mensonge, comment les cas affectés
communauté. Et j'ai capable expliquer tes bons villages. Dans le village, ça a une dame qui est Placinette. Et une petite fille qui est Grâce. Et il arrive que un nègre âgé, une sorte de tonton, et monsieur son personnage, monsieur Lé, bat les trois. Tonton ça, qui remet petite dame, non, et petite fille à lui-même, Grâce, il est déjà remet à un jeune garçon que il est Aurel. Et dans le village, ça, il y a la faim. Dans le village, ça, il y a la calamité. Dans le village, ça, il y a la sécheresse. Toute l'eau, il y a une sale. Il y a le microbe. Et mauvaise langue, il dit, c'est maman Tidamna, à Tidamna qui s'est écrit le gaz. C'est eux responsable de la mort de tout le monde dans le village là. Parce que justement, nèg ça, son gros paletot, il influence tout le monde. Justement parce que Grâce pas de blé. Oui, mais à tonton ça. Patinette à Grâce, finalement, ils ont lapidé Patinette et ont décapité Grâce injustement. Haïti débat. Ça montre comment la haine et la jalousie capable d'empoisonner la vie et détruire souvent les honnêtes gens. Mais Jacques Oumé est mort il y a 65 ans de cela. Et écrit ça de toute valeur d'actualité. Et ironiquement, la montagne ensorcelée. L'histoire, sa village, ça, le situé dans tout le monde, une commune de Plateau Central. Ainsi, je conclue. Ainsi, je dis à tout le monde que je n'ai rien à voir. Ainsi, je dis tout le monde, en tant qu'enquête à la justice, mais je suis toujours là pour défendre la population et porter la parole au nom du peuple. J'ai dit merci à toute l'équipe de Scoop, merci à Edson Saint-Fleur pour cette histoire extraordinaire. On vous remercie. Je vais citer dans tout le monde, mais il y a deux leaders politiques. Ma chambre cité non. Celui qui m'a annoncé. Gary, écoute. L'idée, ça va m'excuser. On va excuser mes affaires parce que ma jambe bombée pour moi, personnellement. On m'a donné mille excuses. Ok? Qui m'a annoncé que Gary m'a donné plateau central lui ou la carrière balin. Pas arrêté. Parce qu'il a parlé de où comme qui tu es ennemi, je me connais, moi, ma vraie. De pourquoi descendre, quitter la ville là. Parce que pour qu'on compte ce qui a passé, parce qu'on parle de sécurité. Moi, c'était dans mon nom après, parce que je m'a appelé Féoué. Mais deuxième nom, femme, c'était. Jude Célestin qui m'a appelé. Jude Célestin qui m'a appelé. Je m'a parlé de où je vis, à qui où je vis, qui sont des amis. Jude Célestin m'a appelé. Donc, ça qui est là. Depuis quand Gary Bebochal doit assassin. Et le leader politique de l'opposition qui a appelé pour demander de me matraquer. Pas ma mission en chance. J'ai noté. Et j'ai dit ça à Wana. M'expliquer à Wana de qui moun qui dit ça. Qui dit crasé, monsieur. Parce qu'il est devenu un homme dangereux.
il a l'intention d'être candidat à la présidence et nous allons prendre le pouvoir, nous autres. Gary Desroches. Je dis bonsoir à cet homme. Même pas jamais pas dit. Oh, j'en ai oublié, je t'en prie. Même jamais dit. Pour pas voter au sous-candidat. Monter fait 0,2%. Ou pas jamais qu'un président pays ça. Ou te fait 0,2%. Ou pas qu'un président pays ça. Même sous le pouvoir, les gens viennent aller, puisqu'en fait, il y a une expression de départ de Jovenel Moïse. Tout le monde voit clair. Je ne connais pas comment l'apprêter, mais tout le monde voit clair. Mais vous serez peut-être ministre, directeur général, mais jamais président de la République. Parce que le peuple, pape Kouenaou, parce que vous êtes un homme méchant. Et je dis bonsoir à tout le monde. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tout le monde qui connaît ce que je fonctionne sur le plan social, qui aidait. Merci à tout le monde.